Je maintiens mon ballon qui est prêt à monter. Ici, vous avez un écran de contrôle qui vous permet de voir ce que voit l'appareil photo. Et le directionnel que vous pouvez voir là. Christophe est un photographe assez original. Avec son drôle de matériel, harnaché sur les épaules, il peut prendre des photos aériennes jusqu'à une altitude de 150 mètres. Le ballon monte grâce à un gonflage à l'hélium qui permet de l'hélium étant plus léger clair, qui permet de faire monter le ballon dans l'air. Vous n'avez pas peur de vous envoler ? Non, parce qu'il ne peut soulever que 2,5 kg et je pèse beaucoup plus de 2,5 kg. L'appareil photo est dirigé dans les airs depuis cette télécommande améliorée. Un écran permet de visualiser les images en temps réel. En appuyant sur le bouton rouge, la photo est prise. Voilà, vous avez le résultat directement sur l'écran. Cet après-midi, le client de Christophe, c'était la ville d'Angers. Avec ce procédé, la ville peut enrichir ses supports de communication à un coût bien moins onéreux qu'avec des prises de vue en hélicoptère. Et apparemment, le résultat séduit. C'est souvent des vues qui sont un petit peu originales par rapport aux vues aériennes classiques, et ce qui permet de surprendre un peu. Donc le but un peu de ces photos aussi, c'est également d'avoir un autre éclairage.